Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Kevin Gage. Vous devez certainement tous le connaître, Kevin c'est un célèbre candidat de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son fort caractère. Comme vous le savez, cela fait plus de 2 mois que Kevin Gage a décidé de divorcer avec Carla Moreau. Dans cette vidéo, Kevin semble être apaisé, il est enfin sorti du silence en profitant de sa vie de célibataire. En effet, Kevin s'est clairement oublier Carla Moreau en fréquentant d'autres femmes. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. J'ai fait le dernier petit repas. Je vais vraiment me mettre bien là. Objectif. 2 mois. Faut que je sois vraiment quelqu'un de genre. Ça va être compliqué. Le problème, c'est pas ça en fait. Faire du sport et tout, il n'y a pas de souci. On peut aller faire du foot, on peut aller faire du paddle. La salle, en plus, je trouve une salle, elle est ouf. Voilà, je vous explique, je trouvais la meilleure salle. Meilleure. Il y en a plein en plus dans le sud de la France. Je vous en parlerai demain. Ouf, incroyable la salle. Mais du coup, le problème, c'est pas faire du sport et tout. Parce que ça va. En plus, la salle, il y a vraiment tout qui est adéquat et tout pour. Mais le problème, c'est après les repas et tout ça, ça c'est emmerdant. Je crois que là-bas, ils ont des systèmes aussi. Il faut trouver la solution. Le départ, là, on allait voir un petit peu des tenues. Le départ, là, on allait voir un petit peu. Alors là, je vais chez un ami. Vous allez voir, il a inventé, en fait. C'est une invention. Il a eu le prix de l'innovation pour son produit. Vous allez péter les plombs. C'est ça que je vous parlais. Il a reçu le prix de l'innovation. Donc c'est un stick de cire d'épilation pour le nez et les oreilles. Alors il y a déjà la cire en fait qui est là-dessus. Et clairement ça n'existe pas. Et ils ont reçu le prix de l'innovation pour ça. Donc vous allez vraiment le voir partout, dans les pharmacies, vraiment partout vous allez le voir. Dans les barbiers, vous pouvez les retrouver. Et les produits sont extra. Je vais les essayer, je vais vous en parler très vite. Mais regardez un petit peu, c'est une dinguerie. Clairement c'est indolore, c'est une folie. Petit resto découvert. Hein. Il en manque. Voilà. À qui tu parles, toi? Ça régale les deux. Petit resto découvert. Hein. Mais oui, reprise du sport. Là. Et là, vraiment, ça fait belle. Allez les gars, on y va. Chose due, c'est la reprise du sport. Ça commence aujourd'hui. Il va falloir être chaud. Chose promise, chose due, c'est la reprise du sport. Je vais vous montrer mon nouveau QG. Du coup, j'ai cherché longtemps et j'ai trouvé la salle qu'il me fallait. L'avantage, c'est qu'il y en a plein. Tu peux partout des salles comme ça. C'est Biofitness. Là, c'est Aqua Biofitness. C'est à Aubagne. Donc, c'est pas trop loin de chez moi. Je suis content. Vous allez voir la salle, elle tue. Je suis déjà allé. Je vais vous montrer un petit peu la salle. Et nouveau QG. Pas le choix. Bon, je viens d'arriver. La salle, elle est ici. Aqua Biofitness. Alors pourquoi j'ai choisi ici? Je vous explique. Parce que déjà, je trouve que la salle, il y a tout ce qu'il faut. À l'intérieur, il y a des coachs si tu en veux. Si tu en veux pas, tu n'es pas obligé de prendre le coach. Mais moi, je trouve que c'est pas mal pour au début, pour commencer. Pour savoir ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, elle est ouf. Allez, je suis en tenue. Donc là, alors là j'ai mon coach qui vient pour la première fois. Voilà, il est là. Salut. Il est là. Il est bien. Le but c'est que j'ai son corps. C'est vraiment mon but, c'est que j'ai son corps. Donc là, il y a les poids en fait, c'est poids libre en fait, c'est ça? Exactement, donc là on a l'espace poids libre. Après là on a un petit peu tout ce qui est côté musculation avec les machines. Et la suite se passe en haut. Oh putain. Moi je suis déjà venu, je vous montre à vous. Et franchement la salle elle est top. Il y a vraiment tout, c'est vraiment... salle genre familiale, c'est top. Donc là en tout cas on arrive sur le
l'espace cardio un petit peu avec plus de, donc, de tapis, d'elliptique, de vélo, etc. Des petits rameurs. Oh, tu m'as réveillé. Elle a dit je veux le McDo, hein. Elle a dit 3 1 2 3 Non, c'est moi, il est là. Ah, vas-y, alors à toi, alors. Moi, il est là. D'accord, moi, je suis le rouge. Oui. 1, 2, 3, à toi. 3. 1, 2, 3, 4. Mais c'est 3. Ben. Toc, toc. C'est sa copine, elle. C'est ses copines ? Oui. Et elle, comment elle s'appelle, elle ? Cendrillon. Cendrillon. Et elle ? Réponse. Réponse. Et elle ? Blanche-Neige. Blanche-Neige, d'accord. Et elle ? Ah, elle, c'est ma copine. Moi, c'est ma copine. Comment elle s'appelle, elle ? Je sais pas. C'est Jasmine. Jasmine. Dis-lui, il est où, Aladdin ? Aladdin. Et ça, c'est Pocantas. Magnifique, on va se regarder Fulham Chelsea, oui. Fulham Chelsea. Chelsea, ils ont acheté tout le monde. Pour ceux qui suivent le foot un peu. Si vous avez un enfant ou un cousin qui joue au foot, ils l'auraient acheté. Donc n'hésitez pas à leur donner la coordonnée. Et du coup, j'ai vu ce matin un peu passer des histoires sulfureuses à mon égard. Qui sont pas vraies, hein. D'ailleurs. J'ai eu un rebab au téléphone. Qui m'a expliqué pourquoi il avait dit ça. Et qui a, du coup, il a mené son enquête, donc c'est bien. Parce que pour le coup, il a fait son travail après, même si je trouve que voilà, il y a eu des mots qui n'auraient pas dû être employés, parce que enfin, toutes des familles, surtout qu'il a quand même fait son travail de regarder un petit peu si c'était vrai, si c'était faux, et s'est rendu compte que toute cette histoire était fausse. Et d'ailleurs, je l'en remercie parce que c'est bien d'avouer ses torts, et c'est ce qu'il a fait. Et voilà, voilà, je ne crois pas croire tout ce qu'il dit sur Internet, ça peut être grave. Là, pour le coup, bah, au pire, il n'y avait rien de... C'était juste sale, mais c'est faux. Pas croire, pas tout croire. Je suis dégoûté, en plus, on était tous au quad aujourd'hui, et on a oublié de faire la photo de groupe au quad. Avec le thé et tout, c'était magique. Mais quel kiff, oh là 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 là. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas kiffé. On a fini la petite séance de sport, après je suis allé manger avec mon cousin. Ça fait du bien. C'est quoi, c'est ça en fait, le plus dur, c'est de se remettre au sport. Mais quand tu y es, après quand tu y vas, tu es content d'y aller. C'est ça, demain matin j'y retourne, peut-être dans l'après-midi, en fin d'après-midi, quoi, je vais voir. Mais là voilà, c'est vrai que tu te sens bien, tu te sens mieux, tu es content parce que tu arrives à faire un peu plus. Et c'est comme ça, tous les jours un peu plus, tous les jours un peu plus. Là après, c'est vrai que j'avais repris fort pour moi, hein. Et tout est relatif, hein. Il y a des personnes qui soulèvent beaucoup plus, qui font tout beaucoup plus. Mais pour reprendre, c'est vraiment avoir l'impression de, de reprendre, mais sans te tuer et sans te dégoûter. Parce que c'est vrai que ben, plein de fois, moi, j'ai fait du sport, j'ai fait du ci, j'ai fait du ça, mais à force de vouloir te tuer et tout, ben c'est très compliqué. Là, pour le coup, c'est vraiment bien. Je me régale, tu reprends goût au sport. Et franchement, j'en suis très, 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 très satisfait. Et je suis content de moi en plus. Quand tu es fier de toi, ça qui est bien. Voir le copain, là, il ouvre salon de coiffure. En plein de travaux, il est. On va voir un petit peu ce qu'il va nous faire de beau. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah, c'est tout dans les travaux là. Récupérer la princesse. Mon coude, tu veux mon coude, mais je peux pas, je conduis. Allez. Et la princesse, vous savez ce qu'elle me dit? J'ai dit, on va laisser faire le resto. Elle m'a dit, ah, non, moi je vais à la maison. Je veux manger à la maison. J'ai mes poupées. J'ai mes... Comment s'appellent tes poupées déjà? Allez, Toda. Shana. Et je ne les connais plus. Ça, tu les connais plus. Romy. Et Léa. Eh oui, à tout le monde. Non. Eh oui, c'est ça, tu as raison. Romy. Et Léa. C'est Romy et Léa? Non. Ah, où c'est qui? Romy. Romy et Vicky. Ah, Romy et Vicky. Ah. Non. Alors, c'est qui? C'est quoi les noms des poupées? Romy et Léa. Romy et Léa. Et Vicky, elle est où? Tu sais, mais... Qu'est-ce que tu nous montres? Qu'est-ce que tu nous montres? Oh, les boucles, waouh! Elles montre. Sont magnifiques, mon cœur! Fais-moi! Oh là là! Quel mytho! Je regarde un peu. On est en train de faire ça, elle a reçu le trampoline. Waouh! Elles sont magnifiques! Mon amour! Ouais! 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 Mon amour!
Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.